Bonsoir à tous. Encore une journée difficile pour le marché parisien avec un CAC 40 qui aligne une cinquième séance de repli d'affilée. Reflet de l'inquiétude grandissante des investisseurs à l'approche du scrutin britannique sur le Brexit. Et les plus forts replis de la séance sont à mettre au compte des pétrolières qui reculent avec le baril. Technip et Total, notamment, affichent parmi les plus forts replis du jour. Seul CGG échappe à la correction. Séance difficile également pour le compartiment automobile. Concernant Renault, Barclays a ajusté à la baisse sa valorisation sur le titre ce matin et vise désormais 108 euros. Gros repli aussi pour Sanofi à retenir. C'est Jefferies qui a réduit son objectif de cours sur le titre. L'analyste a également abaissé ses prévisions de revenus du groupe pour les trois prochaines années. Dans cette séance morose, Danone a fait preuve de résistance. C'est l'actualisation de ses prévisions et notamment le relèvement de son objectif de marge opérationnelle courante pour 2016 qui a séduit les investisseurs. Danone vise désormais une hausse de 50 à 60 points de base de cet indicateur contre une progression solide anticipée précédemment. Le groupe a aussi confirmé son objectif de croissance du chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 3 et 5 % grâce à la bonne tenue des marchés chinois et des pays émergents. C'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous demain à 9h30.